Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message angélique et bien de ce mercredi 13 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, et bien la petite philosophie du matin. Et ce matin, c'est se souvenir que dans certaines situations, il est parfois urgent d'attendre. Eh bien oui, dans certaines situations, il est quelquefois préférable de ne pas foncer tête baissée, d'attendre un meilleur moment. C'était la petite philosophie de ce matin. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé l'ange du renouveau pour certains d'entre vous. Eh bien, un cycle se termine. Il y a un recommencement, il y a une renaissance, et ça peut être professionnel, sentimental, familial, personnel. Voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a un renouveau, il faut renaître peut-être de vos cendres. Si maintenant c'est au point de vue sentimental, eh bien voilà, on vous demande de fermer cette porte pour laisser ouvrir une autre porte qui va être salutaire pour vous. Eh bien, je t'invite à ouvrir ta conscience, oui, au sublime mouvement de recommencement qui existe dans toutes les sphères de la vie. Et c'est ainsi qu'il t'offre la possibilité, n'est-ce pas, que chaque seconde soit un éternel printemps avec toutes les promesses de renouveau. Vous avez peut-être morflé hein, pour certains d'entre vous. Ça a été peut-être très, 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 très dur ce que vous avez vécu, ce que vous venez de vivre. Mais là, vous y allez, là, vous y arrivez, là. Hein. Il y a la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. La vie, n'est-ce pas? La vie est une perpétuelle valse sans fin dans un mouvement gracieux, rythmé et rassurant. Tu connaîtras tout au long de ton existence terrestre et spirituelle d'infinis recommencements, mille et une façons de renaître. La vie donne toujours de nouvelles chances. Et un échec n'est pas un échec en soi, n'est-ce pas? Vous avez appris, ça vous a fait grandir. Alors ici, eh bien, on t'invite à accepter et laisse-toi bercer par les différentes marées de ta vie. Laisse-toi bercer par les différentes marées de ta vie. Amuse-toi et aime. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Tu as toujours la chance de guérir, de rectifier et de raffiner ton expérience. En fait, il est important d'accueillir le nouveau qui se présente à toi. Car dans tout cheminement, eh bien, se cache une nouvelle possibilité de grandir et de s'épanouir. Alors, on t'invite à t'ouvrir au changement et de te libérer de tes peurs, de tes craintes. On te demande d'illuminer chaque renouveau de ta vie avec la lumière de l'amour et de la foi et de savourer chaque instant, chaque parcelle d'éternité. Aujourd'hui, présentement est un renouveau, une renaissance. Et ce que tu viens de vivre, eh bien, ça a été difficile pour toi. Mais là, le cycle, c'est un nouveau cycle. Ton livre terrestre, c'est un nouveau chapitre que tu vas écrire. Tu viens de fermer un chapitre et là, il y a un recommencement.
Tu sais, l'univers, il ne va pas te mettre des choses si tu n'es pas prête. Mais ici, tu es prêt à ce changement. Donc, voilà, alléluia. Tu as fait un beau travail sur toi. Se lâcher prise, sortir de ta zone de confort aussi. Et voilà, si ce n'est pas fait, mais il est grand temps de le faire. Je termine avec l'affirmation positive pour cette journée. Je crois en moi, je peux réaliser de très belles choses. Mais voilà, quelle belle synchronicité. Je crois en moi et je peux réaliser de très belles choses si je le veux. Parce que vous êtes maître de vos décisions, ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas les autres, c'est vous-même. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi je vous embrasse et je vous dis à demain.